Bienvenue sur Explorer la vie animale, domestique et sauvage, la chaîne qui vous emmène à la découverte de la faune de notre planète. Dans cette émission, nous allons explorer le monde fascinant des chats, l'un des animaux de compagnie les plus populaires au monde. Nous allons passer en revue leurs caractéristiques physiques, leur comportement, leur habitat et leur alimentation. Les chats sont des félins de taille moyenne, pesant généralement entre 2 et 5 kg. Leur pelage peut varier en couleur et en texture. Ils sont également équipés de griffes rétractables pour l'escalade et la chasse. Les chats ont également un excellent sens de l'ouïe, de la vue et de l'odorat. Les chats passent en moyenne 30% de leur temps à se toiletter. Ils sont également connus pour leur instinct de chasse, qui se manifeste souvent par des jeux de chasse avec des jouets ou de petites proies. Les chats peuvent être de bons compagnons pour les humains, mais ils sont aussi connus pour être indépendants et parfois capricieux. Leur communication peut être complexe, allant des ronronnements et des miaulements aux signaux corporels subtils. Les chats peuvent vivre dans des habitats très différents, de la maison à l'appartement, en passant par la vie sauvage. Ils sont capables de s'adapter à des environnements différents en fonction de leur instinct de survie. Enfin, parlons de l'alimentation des chats. Ils sont des carnivores stricts et ont besoin de protéines animales pour survivre. Leur régime alimentaire peut varier selon leur âge, leur santé et leur mode de vie.
C'est tout pour aujourd'hui sur Explorer la vie animale, domestique et sauvage. Nous espérons que cette émission vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur les chats. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous. Ne manquez pas notre prochaine émission où nous explorerons d'autres animaux fascinants. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Merci de nous avoir regardés.